Hier, un gros phénomène qui passait dans la ville Okay. Tout le monde nous parlait. Qui c'est mon Okay, c'est plein de caisses, c'est Gen moun qui tout profite courir entre l'église al nan jeune, gen lot qui tout profite al kaboko parce que moun yo pa ka comprendre sa ka passe nan moment la nan ville Okay. Eh bien, rete là, ou pral jwenn tout détail yo nan bonti mamite, autorité parle, citoyen parle, ou pral konn exactement ki sa ka passe nan ville Okay. Yo lot bon, genye commissaire gouvernement Okay lan, Ronald Richemont, qui décide mette pye la tête tout bon. Parce que Okay commence à gâter. Negmatisan yo commence à débarquer Okay. Kidnapping commence à faire. Réseau mafia commence à monter. Et bagay lan gâté. Commissaire Ronald Richemont rentre dans le camp gang yo. Rentre dans le camp bandit yo. C'est parti l'obéi. C'est parti causé. Et nous fini avec un dossier. Commissaire Muscadet. Qui non seulement avili directeur Miragwan, directeur immigration Miragwan, non, mais tout commissaire Muscadet décidé pour le mettre maintenant pas de cassave, vagabond qui participait dans la corruption, dans faire l'argent, passeport jusqu'à 75 000 goudes dans la juridiction. Et dans l'espace libre opinion, invitez-nous pour aujourd'hui, c'est Caleb Monel qui est spécialiste en développement d'entreprise. Avec nous prenons regarder quelle stratégie l'État a utilisé pour créer travail dans le pays d'Haïti pour éviter fuite de cerveau à capitaux. Restez là, prenez tout détail, ça y toute information, ça y dans votre mamie. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour m'avec vous, pour me porter information, pour vous traiter avec vous dans l'idée pour être connecté à tout fait cap dominer actualité. Sous fait tomber sur channel là m'a rappelé ou sous taxe 509 tout haïtien connecté émission en palote que mon éditorial avec Yannick. Nous pral parler pays, nous pral faire débat. Restez connecté nous là avec vous. Jean ça t'est annoncé dans commencement vidéo à mes amis situation compliquée dans pays d'Haïti. Insécurité continue à valer terrain. Moun continue à perdre la vie, moun continue à tomber en babal bandi. Et très certainement, nous avons dit que ça n'a vécu jounen jodi en Haïti. Hein? C'est la pire situation haïtienne qui a vécu depuis 20 à 30 dernières années. Question insécurité, gang, bandi, captaille banda, cap défi autorité, autorité qui n'a gang avec bandi, autorité qui a financé gang, nèg qui n'a élite politique économique qui a financé gang, mes amis bagay l'an mêlé, son poisson crasé dans bouillon situation. Eh bien, hier, nous apprenons que nèg sa vien yo, nèg bas gang yo, yo mette pied yo à terre. Yo continue à simaye la troubla, yo continue à mettre de l'eau dans le peuple Latibonite là, dans le département Latibonite Sirel. Qui ça, opération Tornade la pote comme résultat? Est-ce que yo pral rive démanteler tout bon gang sa vient? Est-ce que yo pral démanteler ou bien stopper Luxon qui a ferraille, qui a fait des faits dans le département Latibonite là? C'est réponse à la tante dans mes DG la police en France LB. Mam dis nous honnêtement, travail la police là, li pas facile, ouais, non, avec bandi yo. Y'a vos amis, qui voyons en vidéo, le partage en vidéo avec. Opération qui t'a mené dans sa vie, la police qui t'a avancé sous bandit. Nèg sa yo, leur dou yo armé, yo bien armé. Nèg yo gen gros manche long nan men, yo gen gros am gros calibre. Mais nèg sa yo, c'est gros malfecteur yo. C'est gros malfecteur. La police a tiré sous bandit, au lieu bandit en courir, il fait bac. C'est avant à faire sous policier yo, c'est avant c'est avancer à jeune blindé alors que blindé a tiré sur yo, la police a tiré sur yo. Donc on va le comprendre. Les ou nèg sa yo c'est malfaiteur utiliser tout moyen toute stratégie pour yo défier la police, ça c'est pas menti. Kounya c'est qui disposition mes amis qui prend dedans PNH parce que bon dou. Si bandi a gen point la bataille avec la police avec point pour pas prendre balle pour pas percer. Eh ben policier yo même le pral dans opération. À qui ça yo aller? Policier comme si LB pas prend j'ai causé là pour le bail policier au point tout ou bien policier on va prendre au point pas parce que bail ça yon pas blague la dedans yo dou so gen zam ou gen avec ou pas recou so gen avec c'est avec ou pas recou donc policier yo là kounya faut que pense bail yo à deux fois si bandi yo gen point pour pas prendre balle la marche en bas bouche policier yo faut que policier yo que l'on veut ou non chercher et mettre garçon dans garçon bail yo pas douce. Bagay yo pa dou situation ti jan komplike. Et mes amis hier photo journée on va regarder là. On va regarder photo journée hein. On va regarder Jude Joseph. On va regarder Jean Rissé ancien premier ministre.
ou ap gade Laurent Lamotte, ancien premier ministre. ou ap gade différentes personnalités sa yo qui à un certain moment yo te gros chef de nos pays. Et puis yo allé nan funérailles Gérald Latortue, mais qui a souhait qui manque là? Qui a souhait manquer sous ban? Quoi de neuf Gérald Latortue, Yuri Latortue? Yuri Latortue ap gade tout nèg sa yo qui allé nan funérailles Gérald Latortue. Tonton, mais lui-même, il va pas aller pour qu'il s'apprenne que le tombe en bas sanction. Son bagay qui dit oui. Son bagay qui dit. Même le nèg sa yo, plusieurs là dedans yo gen sanction sous tête yo tout. On comprend? Mais yo là quand même. Ok, États-Unis pour sanctionner Seyan, États-Unis pour sanctionner et la motte. Mais yo là dedans, tu vois, ouais, qui misère l'on fourre doué tout dans sa quoi vous, hein? Où est qui problème, l'on y a une grave accusation corruption sous l'eau? Où est qui traque, kalage famille, ou nan qui court, kalage proche? Le, ou y a une accusation comme moun ka finance gang, comme moun ki y a une relation avec gang bandit dans le pays, hein? Sous te fait à fort droite, sous te fait à fort bien, ou ta premier moun ki ta pral chita nan tête sec avec tonton, pour relation te gen avec tonton, pour relation te gen avec famille, hein? Et pourtant journée jodi an la ou ap gade même figi tonton ou pa ka répond dernière fois à moins que ou fè photo ou bien ou te fè activité privée dans zoom ou te wal. Mais après ça mes amis, ki pi gwo wot, ki pi gwo kou ka pran ou ka pa vle di la république? Même konnen ça formal, m konnen ça dérange ou moi même li dérange m pa nan place ou non li dérange m parce que seul so ka ran on moun ki te cher pou on moun ki te proche on moun ou te remè c'est ballon dernier hommage l'aller l'aller traverser même ça on pa ka fè mais koun yo non zin ona ou non zin ULCC ou détourner l'argent l'autre nan et président commission président commission anti corruption et puis ou gen charge corruption sous dos. Moun kap pran l'argent batab, moun kap foure men nan kes l'état, moun kap foure men nan jakou de peuple la. Nèg nou pa sérieux non, nèg ou pa sérieux hein, ou pa sérieux. En tout cas, la République prend bonne note, photo journée le marqué mémoire et la prêté dans archive, moi la prêté dans les annales de l'histoire et comme moun, comme neveu, comme proche, comme autorité, ancien autorité en dedans la République qui pat kal rann et tonton le dernier hommage parce que et li sous sanction, yo reconnaît que on a corruption, on a trafic, on a influencé bandi, on a financé gang ak activité criminelle en dedans la République. Mes amis, on nous quitte cantique en nous prend prière. Gros phénomène tête chargée qui a développé dans ville Okay. Gang bandi continue occuper la République. Nèg qui sorti Matissan, nèg qui sorti village de Dieu direction tête droite, yo pral Jérémy, yo pral Okay. Et bien kidnapping commencé fait dans ville Okay. Dans semaine qui se passé à là, gagné et plusieurs alertes SOS qui lancé côté que yo kidnappé moun Okay, yo ta soi-disant rentré Port-au-Prince avec yo et puis a exigé famille rançon. Donc son paquet bagaille, son paquet lobey qui a fait en dedans pays. Mais hier qui ça bagaille lan yé. Hier moun yo levé nan Okay. Yo jwenn genyen yon total 15 chien. Yo jwenn 15 chien mouri. Mais nan phénomène sa, sa ta pral attire attention moun yo, c'est le fait que yo jwenn chien yo a terre, tout l'ouvri. Yo l'ouvri chien, yo fann l'estomac chien, yo pa jwenn cœur. Tout chien pa gen cœur là-dedans. Mais nous connaissons depuis bon petit temps, on va parler en dedans pays en question de trafic d'organes. Mais nous connaissons trafic d'organes. C'est moun yo kon pran, c'est moun yo kon disparèt et pourtant de yo pran cœur, yo pran organe moun yo pran foie, rein etc. Ça a besoin nan moun yo. Mais moun yo pa ka comprendre comment fait yo jwenn 15 chien mouri. Chien yo louvri, l'estomac yo louvri, tout louvri et puis yo pa jwenn cœur chien yo. Et nan tout chien yo pa jwenn cœur yo. Koun yon pile question à poser, est-ce que c'est sacrifice? En pile question à poser pour yo konnen, est-ce que c'est bagay mystique qui a fait? Est-ce que c'est van département sud là? Qui ça k'ap passe comme ça? Et j'aime dou là, gen plusieurs moun te contacté hier, l'homme prend information, l'homme te des nouvelles là. Moun yo di, yo oblige rentrer l'église, yo oblige à prier, gen moun puisque c'est dans zone yo e bon musicien e bon la caillou jeune chien, yo oblige mettre pied dans de l'eau sortie pour yo al konn exactement qui ça k'ap passe parce que nan moment là
au kay pa bon, kidnapping a fait, y a braqué cambise, etc. Donc, on nous garde ensemble, déclaration, citoyen ça, qui lui-même a bail plus de détails, nan micro confrère nou yo, qui a réalisé un très bon travail, pour qu'un bé public l'an informé. On nous garde ensemble, qui sa le kay media show, a poté. Mélas, Jean Benissel, vous êtes représentant de droit monde dans le département Sud-là. Population vraiment inquiété, me sens, population en paix. Moi-même, m'a fait micro tout droit. Je dis, à m'a gardé ça qui a passé via une quantité de chiens qui mourit. Selon vous, l'aime garder, moi, yo fun, semble c'est que, au point. Ou même en tant que représentant de droit monde dans le département Sud-là, fait constat ça à tout? Nous, très inquiets, les phénomènes de sécurité, non seulement qui sont monde, mais qui sont bêtes, qui sont animaux, qui sont chiens. Nous connaissons même les gens qui ont droit pour vivre, c'est comme ça, pète tout le monde doit pour vivre. Bien que malheureusement, nous avons un ministère qui régit sur ça, mais dans notre pays, où nous avons des gens qui ont occupé de ça, supplément, quand on a un droit de vivre, nous avons des gens qui ont occupé des affaires bêtes, animales. Et bien, ça, avec tristesse, avec consternation, nous avons constaté le matin, nous avons presque plusieurs carrefours nous passer, nous avons des chiens qui mourent. Et chez ça, nous bien regarder, nous bien analyser quoi qui a déjà, et c'est des corps qui sont vivants, puisque nous sommes pas médecins à la matière, mais nous avons chez ça, les gens qui couchent pas bouger. Mais là, nous regardons à partir de ce matin aux femmes, c'est comme quoi ils ont enlevé qu'un chez eux. Et d'après un pile de monde qui nous parle avec eux et qui voit ça dans la ville là, ils ont dit chez ça, ils ont bien regardé avec eux. Nous ne pouvons pas ça qui a passé dans la ville là, comme nous disons ça, nous très inquiets. Des phénomènes d'insécurité, ça, non seulement qui va épargner le monde, mais aussi qui va épargner les bêtes. Nous ne connaissons pas si ça l'a fait nous-mêmes en tant que droits humains. C'est dans ces relations avec le ministère de l'Agriculture. Ils ont même venu constater et puis ils ont dit aux populations effectivement de quoi il s'agit, puisque nous connaissons la ville de la Malague comme ça, il y a des ministères qui sont attachés à des services. C'est pour ça que nous requérons le ministère de la Justice. Et le ministère de l'Agriculture dit pour que vous venez garder sa bagarre et que vous avez la population et vous explication pour expliquer des gens qui au courant de ce qui passe dans la ville là, parce que ce n'est pas possible, pour que hier soir, tout chez ça mourir et nous achetons mourir de la même manière, des bagarres pour nous signaler dans le marché. Chaque mourir, vous savez que vous avez un microphone, et deuxième constat que nous faisons, chaque mourir, vous mourir dans le carrefour. Et dit, non, pour ça, nous avons chez nous, nous avons mis en rafou. Là, nous tirons très peu près sur question. Et ça préoccupe l'esprit nous, en tant que responsable voisinien. Ça reflétait l'esprit nous toujours, la situation de sécurité qui est capable de revenir dans la ville là. Le phénomène de sécurité qui est capable de revenir dans la ville là. Est-ce que nous avons dit à ces personnes, à animal ou à condamner? Mais directement pour nous une explication de côté autorité, de côté la mairie, de côté ministère et agriculture, nous disons effectivement que ça s'est passé. Ça qui est supposé fait là, l'ambassade de sécurité, qu'on y a la frappe animal, nous avons un cas kidnapping, bon, nous avons dit comme ça, sur toute réserve, vendredi passé, un cas kidnapping, et un cas bis qui mourit. Bon, carré marché, l'autre cas toujours, ou même comme représentant droits humains, ça dit qui ça? Bon, nous, il y a une nouvelle profession, j'ai l'autre ville de Bouvessouille, au cas où on tient un passable à question de sécurité, mais nous, on a des nouveaux salaires de sécurité dans la ville là. Nous, et nous demandons qu'il y ait une synergie qui dégage entre la police et la justice pour bailler la population en service, puisque nous, on a essayé ça à l'heure où là. C'est le responsable du service de sécurité dans la ville là. Normalement, nous demandons que la police mette tête pied avec la justice, pour dégager une synergie ensemble, de telle sorte que pour aucun rejoindre le visage. Si nous n'avons pas dégagé sur l'autre, nous pensons que c'est la population qui a payé, pour qu'elle soit payée, nous tous qui a payé. Si nous ne mettons pas tête ensemble pour nous battre ensemble, nous tous à disparaître ensemble. Merci. Voilà, et nous t'en toute explication. Yo, bah, elle a paraît bizarre, bah, elle a compliqué. Moun qui kon prier, continue prier. Moun qui kon jeter de l'eau, continue jeter de l'eau. La patrie en danger, département sud là en danger, moun okay en danger par rapport avec phénomène ça qui a évolué en dedans et département. Yo, l'autre bord, gagné commissaire gouvernement Ronald Richemont, qui hier lui a annoncé démantèlement yon groupe gang qui t'a opéré dans cimetière okay là. Nèg sa yo, c'est braquer moun, c'est rale zam sou moun, c'est voler moto, c'est braquer cambise. Eh bien, hier,
commissaire débarqué dans le cimetière, l'almaré vagabond, l'almaré criminel. Eh bien, on a Richemont, libre à le bail plus de détails, pour pral qu'on exactement. Dans quelles circonstances, nèg sa yo fè rive au kay? Pour qui raison, lui-même, dans le moment, lui choisit, mettez pied la tête pour la traquer gang, pour la traquer bandit, alors que, il y a plusieurs autres phénomènes qui ont développé en dedans juridiction là. En outre, qui sa commissaire Ronald Richemont gagne, pour le dire toujours dans le micro, le Kayen Media Show, qui yon même, yon toujours présent dans la ville au Kay. Par rapport à la sécurité qui a monté dans la ville là, je vais dire ce que la justice, la police fait pour ramener l'ordre dans la ville là. Pour tout le monde qui a prouvé la paix publique. Nous pensons ça que quand il a fait une opération hier soir, dans une zone Bobby Garage, dans le cimetière au Kay, dans le coquille. Donc, nous avons démantelé la gang qui a gagné dans la tête de Diao. Monsieur Sayo, il a fait base dans le cimetière au Kay. C'est là où il était. Il dormi là, il a arrêté pour braquer le monde, voler moto sur tête monde, et fait l'autre acte en dedans ville. Donc, on a débarqué et on a procédé à l'arrestation de deux d'entre eux, qui c'est Peterson, alias Lazare, et puis Robertson, alias Agonon. Et ça, c'est ça, au fait seulement, Botamboua, Kafouboaye, Boss Cimetière, c'est là où on opère. Donc, l'opération s'est soldée à l'arrestation de M. Sayo. Et tout à l'heure là, nous sommes 8 là dans le rapport. Et nous avons screené pour regarder qui est l'implication dans le gang. Mais nous avons cherché Diaoua qui sauvé. Nous avons cherché Popilet qui sauvé. Nous avons cherché Waldi qui sauvé. Donc, dès que ça, nous avons créé un groupe de gang pour faire des ordres en dedans. Donc, la petite population au Caire, la population dans le sud. Nous-mêmes, nous travaillons pour que la sécurité pour la sécurité arrive dans la ville. Et tout le monde qui a troublé la paix publique, qui a troublé le sommeil, la population, nous-mêmes, nous avons troublé le sommeil. Tout malfecté, tout bandit, apprenti bandit, qui a été cravate, qui a été sapate, à partir de ça, nous avons troublé le sommeil, tout le monde qui a fait des ordres dans la ville. Ensuite, comme nous-mêmes, dans la justice, nous connaissons. Il y a une série de nègres qui étaient arrêtés, qui condamnés, qui jugés et qui lagués, qui libérés. Des bons nègres, vous êtes passé dans la prison au Kay, ils n'ont pas visité. Des bons nègres, vous êtes passé dans la prison au Kay pour des actes de vol de motocyclette, ou assassinat, ou braquage, vol armé armé, parquet avec la police à visiter. Parce que le pape qui était dormi un jour, parce que j'en vous dis là, au Kay doit être salié. Donc, on a dit population, il était tête frette. Parce que nous-mêmes, nous là, notre travail, nous ne pouvons pas dominer la population qui a dormi. Donc, c'est deux choix liés. C'est soit que vous quittez la ville là, ou nous mettez dans la prison, mais si vous affrontez, ou bien vous allez reposer dans la cimetière. Donc, nous avons continué à faire le travail noir, et nous gardé la police même matin, et à faire arrimage, parce qu'il faut arrimage au fait, parce qu'il y a un peu de mauvais gens qui sont dans la ville là, dans la station, et nous avons fait des antennes qui de connivence avec Bandi Matisson. Et qui a kidnappé les gens au cours de août. Donc, nous avons screené le matin. Et tout dernièrement, là, nous faisons l'arrestation de Jackson Casimir, qui a fait kidnapper tout dame qui sorti Tempéré. Et M. Nagala a vu. Maintenant, nous avons voué le bail de CPJ parce que le CPJ m'a dit M. Jackson Casimir, M. Nagala a vu pour l'Ouest, M. de Bayantène, sous dame qui sorti là-bas, et M. de Serre de Taxi. Donc, on a dit population et les fait, et les gens qui parlent de l'oppression, il faut que nous ayons une stratégie lorsque si tous les gens ou sont belles femmes, ou sont beaux garçons, ou sont des frais chocs, sur au moins leur apporte des machines, sous démonter avec un rad, en deux machines, ils vont passer retirer. Mais sous un comportement, ou des faux cheveux, ou bien des coiffes, ou des tout, refaire, même en deux machines. Si vous avez pour tes lunettes, vous avez un képi, essayez de tourner attention, mettre deux rades, mettre deux corsages, deux chemises, ou retirer une, ou du moins pour descendre dans la route, ou pour notre machine, ou pas traverser la descente avec la machine sous tout cas. Quel que soit le monde. Donc, laissez ça, nous avons dévié plein de bandits
qui bat antenne nous depuis au caille, les bandes débat description, mais comment nous y est. Mais nous arrivons Mariani, nous descendons, nous prenons Papadap, nous prenons bus jaune, nous prenons petit camionnette, nous arrivons pour le presse, nous détournons attention aux bandits, les armes parce que nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas arriver sous nous parce que nous devons descendre la machine. C'est la pire beaucoup. Donc, nous continuons le travail pour que la population ait une sécurité. Et enquête a avancé sur ce qui passe dans l'île là. Et c'est très prochainement d'appuyer sur ça. Ok, bon midi à un jeune demoiselle de 21 ans qui est kidnappé sur place là. Non, on a toujours dans le même, là, toujours dans le banquier, dans la justice avec la police, sauf que, et si on a toujours dans le même ravisseur, donc nous ne pouvons pas parler tout voir sur ça. Parce que sur son dossier sensible, donc sensible, donc enquête qui a continué, on a fait travail pendant pour que nous voyons qui ça va là. La police a travaillé, sauf que, et Digicel, par répondre à temps, parce que le même jour, dimanche, nous enlevons le samedi, depuis dimanche, nous écrit. Digicel pour au moins localiser le téléphone qui a fait appel pour nous, mais Digicel pas jusqu'à présent dans le résultat. Donc si Digicel demande le résultat au moins le même jour, soit dimanche, nous avons dit qu'on est qui bolie. Mais jusqu'à présent, je ne parle pas là, Digicel pas coopérer avec la justice, avec la juridiction, avec ma connaissance, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais si Digicel était une bonne localisation, nous avons dit qu'on est pour nous dire, nous avons déployé ça pour déployer et nous avons le résultat. Comme jusqu'à présent, nous m'écrivons depuis dimanche, m'écrivons à nos jours, nous avons eu le résultat. Donc c'est ça que nous avons dit, est-ce que le bon président de l'Ukraine, est-ce que ce local est oublié? Donc nous avons dit qu'il va pour nous intensifier nos recherches par rapport à côté qui n'a pas de place. Et dimanche après-midi, c'est mars, tu as eu un cas et un bon jet, et de côté que tu as eu un cambise et tu as échangé les dollars américains et victime en balle. Donc c'est comment de ça va avancer? Bon, enquête qui va continuer. Nous savons déjà donc, c'est une insécurité qui est dans la ville. Donc, il y a des nègres qui ont une motocyclette. Donc, c'est ça qui fait que nous n'avons pas de dormir mélanger pour les nègres qui connaissent qu'on a fait mauvais actes dans la ville. Même lorsqu'on est arrêté déjà, même lorsqu'on est jugé déjà, ou condamné ou libéré, il y a visite. Il a dit que nous avons troublé la paix, nous avons troublé dormir mélanger toutes les nègres, toutes les bandits qui ont perturber la paix population. Donc, les cambises là, nous avons des pistes. Nous avons des pistes, comme nous avons une enquête, nous avons arrivé, nous avons des pistes. Nous avons travaillé pour que nous mettions un collègue de Moussa qui fait d'accord. Sans camper, nous ne proposons pas de camper. Nous chargeons puis je dis là. N'a couru font coup de pied dans la juridiction commissaire Muscadet en Miragouane. Commissaire Muscadet, nous connaissons déjà le passé de présentation. Dans la bataille, la mené contre le grand banditisme. Dans la bataille, la mené contre gang. Que le gang avec sa patte, que le gang avec cravate qui voulait mettre code dans la population Muscadet dans les Gouenons. Eh bien, commissaire Muscadet, il n'a pas mis de l'eau dans la bouche pour avili directeur immigration Miragouane. Kounya nèg yo vina avec une nouvelle formule de dans bureau immigration. Yo ka ba ou premier validation, yo pren quantité comme nan mon, yo met ton premier OK sou dossier, yo kounya lò vini pou pran passeport avec document yo te ba ou, yo dou OK sa yo te mette sou passeport, sou document pou vini pran passeport, li pa bon. OK a se avec ou plume rouge, li pa bon, se pa yo te mette l. Ou comprenn? Kounya fò ba un deuxième l'argent encore pou pran passeport. Jounen jodi an gen moun ka paye passeport $500 US. Gen moun ka paye passeport $600 US, gen moun ka paye passeport 75 000 goud, gen moun ka paye passeport 100 000 goud, juste pour moun local bénéficier programme Biden. Non, non, ouais. Le yon du problème Haïtien, c'est Haïtien. C'est Haïtien avant tout, oui, qui raille Haïtien pareil, qui raille pays. Jounen jodi, Biden met au programme, yon du programme gratis, c'est seulement trouver un sponsor, un moun qui ka applique pour vous, qui ka file pour vous, qui respecte les conditions. Koun yon se propre Haïtien pareil, yon, qui légalise la corruption dans le bureau de l'État, en bas j'ai premier ministre Ariel Henry, en bas j'ai ministre intérieur Ariel Henry, c'est ministère là qui a responsabilité pour délivrer passeport avec Haïtien, à citoyens Haïtien, et puis yon pas fait rien, qu'on yon attendait ces corruptions. On nous donne ensemble déclaration commissaire Muscadet, parce que vle pas vle, ouais, c'est directeur immigration, Miragouane n'a pas rangé Kozel, vendredi commissaire Marel Tetred. On nous donne ensemble. Oui, vendredi, il y a l'obligation de présenter dans la bataille pour que nous arrêtions avec la population à dénoncer le propre humain. Parce que nous sommes 4 là, et nous avons dit 154. Hier soir, j'étais dans l'Igna, j'ai regardé Mouyo,
monde qui a 10 ans dans l'île, pas une cadre. Cela a été 4 ou 2 millions de devenus, ils ont débattu dans l'immigration, ils ont baillé 10-4 ou 15-4, et puis tout reste 4 ans distribué à Zamio. De ce fait que, on a besoin qu'on ait de qui prévient, qui ça gagne dans la question de l'immigration. Vraie raison qui fait que nous invitons monsieur, il y a un paquet de monde qui a des dossiers OK dans le monde. Ils prennent l'argent dans le monde, l'immigration finit de prendre l'argent dans le monde, ils finissent de faire comprendre que OK ça va bon, c'est OK qui a pu manger. Alors que c'est OK qui met il. Ils prennent l'argent dans le monde, ils mettent OK pour lui, quand ils disent OK a pu manger pas bon, quand ils ont un deuxième d'argent pour y aller bon. Désormais, mon mieux débarqué n'a pas qu'il y a, yo, vous t'es plein, n'a pas tant, à côté, monsieur, amiablement. Alors, parle avec monsieur, même pas, debout, monsieur, a dit, monsieur Botel, monsieur a dit, parle avec monsieur, n'a dit, ou pas, négatif, m'a pas donc, comme c'est gouvernement, depuis qu'il y a une dérive dans la cité, il faut agir. Depuis qu'il y a une dénonciation, il y a plein, il faut agir. C'est là, l'ordre, bon, prérogatif, hein. Si, gon, mon, qui dit, m'a pas ça, que l'écrit, que le montrer, qui boit ça écrit, n'a jamais pas venu. S'il va venir, bah, chercher le bonheur, bonne question. Vous l'avez dit, allez chercher comment on parle. S'il n'est pas venu, vous l'avez dit, on va chercher le côté lié pour mener le paquet pour que les vignes répondent à la question. Personne ne va pas gagner de balle avec moi. Et ma doublée, ma tour aussi, elle va, monsieur. Allié politique, il n'y a pas de 40 gars dans la bio. Dans la bio, pas moi. 40 dégâts pas invités. Il n'y a pas de oser. Vite dans le carré, pas moi. Il n'y a pas de paquet. Mais entrer dans le carré, côté que je vais attendre, monsieur, ce seul avocat. Ils sont délégués départementaux, non, ce n'est pas audience qui a gagné. On voit, c'est audition qui a gagné. Ils sont délégués départementaux, qui est le chita dans le bureau, qui fait des rappels là. D'ailleurs, forme du bien, et délégué départemental là. En 2 jours, que M. Bayat, 4 jours, 4 jours de bail. Là, M. Parla, il y a des autres. Délégués, je dois quitter M. André, bon, on va dire qu'il y a un mitaille. Mais c'est administration qui a fait. C'est pas politique qui a fait. C'est une mission bien faite, mais là, ça peut cacher. Depuis le délégué, il n'y a pas la dérive. Donc, quel délégué a pris responsabilité à l'objectif d'immigration? Directeur responsable. Et directeur qui est 4 ans. Et directeur qui est 4 ans. C'est le contexte qui est en bas avant. Donc, quel délégué débat a pris responsabilité? Ce soir, délégué en personne, 4 jours chaque jour, ou bien commissaire 4 jours chaque jour. C'est une numéro. Il n'est pas obligé de venir. La loi dit ou qu'il a invité les délégués à venir. Mais la loi dit tout, s'il n'est pas venu, qu'il a fait tout. Je ne dis pas ça. Et je me connais. Ok, mais sauf que s'il va venir, il va chercher pour venir pour une question. Hier, nous avons débattu Chalon sur la population qui était de nous, qui était dit nous, mais on a débattu là, et débattu des personnes dans cette zone-là. Effectivement, je suis venu, je checker sur monsieur, il n'y a pas une carte électorale, ici, mon cas, bon, il va y avoir une valise, il va y avoir un bec, il va y avoir un travail, il va y avoir madame, il va y avoir un petit, il prend un touriste, il dit bon, et voilà qu'il n'y a pas bon pour lui, donc il choisit une année pour 4 sorties. Je n'ai pas de marché, monsieur. Donc, selon ça, M. Dino, l'idée qu'on carrière dans ce domaine, actuellement, là, il est revenu en Haïti, au cap pas bon voler, pour le reste pas bon voler, et là, choisir. Donc, nous arrêter, monsieur, pour nous connaître si seulement si, pas qu'il y a au cap la bague et pète pour lui, avec si DCPJ pas y a pète pour lui. Pète pour lui. Si DCPJ pas y a pète pour lui, aucun paquet n'a pas y a pète pour lui, et n'a relâché monsieur, mais n'a ordonné monsieur, il faut aller quitter le département, pardon, pour aller, pour faire le baiser, mais pas carré. Oui, ils sont citoyens haïtiens, mais souvent, ils n'ont pas venu travailler. Bah oui. Ou pas une carte électorale sur jusqu'à présent ou dit ça ici. Parce qu'il n'y a pas d'écrit de ça ici, mais il n'y a pas aucune pièce qui dit ça ici. Par contre, il faut monsieur quitter le département, il faut monsieur aller côté. Bon, il y a côté boulevard qui a occupation. Non, il n'y a pas de non, il n'y a pas de parler. Il va poser monsieur question par rapport à la grief que vous posez là. Mais il a choisi pas répondre d'où. Il a choisi pas répondre non, mais même qu'il a choisi pour faire ça, pour faire tout. Qui sont cafés comme ça? Là, vas-y, tout ça me fait. Dans mon garçon, hier soir, il est venu du matin, il est débarqué en là. Il y a une équipe qui a un problème, qui doit avoir une place pour le monde qui va vendre passer à 1 000 dollars, à 2 000 dollars ici. Donc, l'entrée dans la co-immigration la journée, dans le moment que le monde vient de passeport, après, la police envahit là. Mais l'entrée des 2 heures du matin, la population a dit pourquoi, parce que personne ne peut sécuriser. Par contre, moi-même, je fais le devoir, chaque soir, je passe en là. Hier soir, je passé en dedans, je passé, je jeune, et puis le monde, il y a un grief entre eux, et le monde a une bonne place pour 1000 dollars, le monde a une bonne place pour 500 dollars ici. Si M. Sayo me chasse, je me fais quitter place à monde qui vient faire passeport. Et de ce fait, je me parle matin, je me dis, 14e monde n'a pas 24. 14e monde n'a pas 24. Alors, ce qui est 54. Notre 4 là, il y a un depuis la veille. 4 là, il y a distribué à Zemita et autorité. Qui prend 4 là pour tes familles, tes amis.
moun ki dormi dans serein pa 24 c'est moun ki dormi dans cabane yo dès pour gagne autorité ou bien avec lui li rele moun pour rele ya yo retire des quatre pou li c'est comme ça li en dedans et du conseil avec et directeur immigration l'aime fin temps de directeur immigration et de dégali poser pour rele monsieur soit par téléphone ou à côté lui pour planifier question immigration sinon à bon dérive on va couper balle vinn tirer là on va venir quitter moun vinn mourir là et en tant que papa chose société a défense société a faut moi défendre population. Bon, nous sommes tant des commissaires Muscadet, mais faut moi dire nous, il y a pile monde Miragouane qui a plein, il y a pile en pile monde Miragouane qui a plein parce que yo estimé l'état central pas aider et bureau immigration. Pas d'ailleurs faire corruption, oui. Il y a seulement deux ordinateurs en deux dans bureau pour bailler service et peut-être yo prend au total entre 130 à 150 monde par jour qui pour déposer passeport ou bien pour venir renouveler passeport etc. Mais qu'on y a rien monde qui dit commissaire a pas droit à target directeur parce que sinon un jour pour directeur a t'arrive l'ouvrir bureau c'est dans un jour ça va inviter et il y a pas besoin de service etc. Mais fuck y a l'autre qui mettait dans des ordres corruption pas qu'à légaliser dans l'institution que d'accord pas d'accord avec sa commissaire et Muscadet fait pour l'inviter directeur immigration venir répondre question mais fuck lui répondre question fuck bon monde qui dit halte là hein. C'est vous qui avez besoin de passeport, qui avez besoin de déposer passeport dans le jour, mais il y a l'autre monde qui souffre, il y a l'autre monde qui prend coup. Et si vous pas stoppé mauvais pratique ça qui est en dedans bureau, ou même puis devant prendre la victime tout. Et c'est ça pour comprendre, nous pas de être seulement terre tout non circonstance, faut être toute la République, faut être tout le monde Miragouane, le monde de l'autre côté qui a sorti vient déposer passeport yo non immigration Miragouane, ça extrêmement important. Suspendre être terre tout seulement, ou être toute ton communauté, ou être tout ton pays qui a souffri en bas corruption. Ça li extrêmement important. Avant même nous passer dans l'espace Tibo Opinion côté que nous allons recevoir Caleb Mounel qui lui-même sont spécialistes en développement d'entreprise, nous allons parler sous stratégie et l'État, gouvernement doit mettre en place pour créer travail, pour retirer haïtien dans chômage. Eh bien faut moi parler une autre fois encore de Eddy. Personnage ça regarder dans photo hein. Moi te rencontré avec lui et dans même côté avec Hérode, dans même cas avec Hérode, c'est la rete, c'est la plusieurs autres monde qui dans situation handicap rete, yo handicapé, yo gen problème et monsieur Eddy lui-même, li gen problème vision, li gen cataracte, li gen glaucome, li pas ouais bien, li non chaise et ou li non chaise roulante, li gen plein en colis, li gen plein en derrière, les situations li extrêmement compliquée. Moi-même l'homme t'est allé pour me supporter Hérode, pour me aider Hérode, me faire là avec tout moi-même parce que Hérode était dans une situation difficile. Et journée je dis alors m'a regarder qui ça me réaliser, qui ça nous réaliser avec Hérode pour coup Hérode. Et faut nous vraiment fiers, faut nous satisfaits de travail, de effort nous faire ensemble pour nous aider en frère, en compatriote qui en a besoin. Eh bien, je ne dis pas, c'est Eddy qui en a besoin, c'est Eddy, mes amis, qui mérite, qui besoin pour la loi en spécialiste pour Zioli, qui besoin pour la loi en spécialiste parce que glaucome n'a pas le problème, cataracte n'a pas le problème, li pas qu'à régler l'activité, li pas qu'à ouais, et surtout, li non situation qui est déjà difficile. Côté, c'est lui-même qui pourra répondre avec besoin, li bagay petit avec, li bagay proche avec lui, yo seulement la gueule en côté, et puis oublier lui. L'homme même te rencontre, m'te gen volonté pour m'aider lui. Même t'es déjà gagné road map aider, situation pas et condition pas réunie, situation pas propice pour me t'aider. Mais journée jodi an là, gen nécessité, gen urgence pour la loi médecin, pour la loi spécialiste pour yeux li. Donc ou même qui voulait aider ou même qui voulait supporter pour nous aider pour la loi spécialiste, pour nous aider pour la prendre soin, pour retirer col dans condition lié à pour nous sauver, pour nous aider pour aller de l'avant en nous faire ensemble parce que moi-même j'ai tant volonté, moi-même prêt pour m'aider li et m'pas qu'à faire ça. Moi-même seul, pas qu'à prendre toute responsabilité, moi-même seul. Donc, ou même qui voulait supporter, ou même qui voulait aider pour aller prendre soin, pour aller en médecine, on a toujours eu l'écrit dans le numéro émission 3896, 3819, pour dire, mais comment on a fait ça pour nous aider, aider prendre soin, pour nous aider, y a un spécialiste, pour le traiter yeux, pour le traiter l'autre problème, li gagne. Donc, prends note de ça, regardez qui ça qui a fait pour ça. Sans perdre du temps, en nous rentrer dans l'espace libre opinion côté invité nous jeudi c'est Caleb Mounel avec lui nous pral parler invité nous jeudi dans l'espace libre opinion c'est Caleb Mounel spécialiste en développement d'entreprise avec lui nous pral parler sur stratégie pour gouvernement créer travail en Haïti nous connaissons déjà
par rapport avec les problèmes qui a plongé société qui a brassé mille société nous gagnons nous qu'a dit et Haïti a traversé pire moment là depuis 30 dernières années. C'est pas seulement ça qui gagne pour avec les questions insécurité d'un point de vue de la sécurité publique côté négaxam a terroriser population a touyer moun a kidnapper moun a violer moun. Haïti a fait face avec une insécurité généralisée. Insécurité généralisée sous toute forme ni et insécurité alimentaire, insécurité routière, moun pa ka manger, chômage, la vie chère, accident, pa gen contrôle routier, mette sous li négaxam yo. Eh bien, je ne dis pas, toujours dans l'idée pour nous chercher et jouer une solution avec différents problèmes pays à confronter, fuite de cerveau, fuite de capitaux, moun kap kouri kite pays, petit business kap fermé, gros entreprise kap fermé. Donc, en pile question à poser pour qu'on ait effectivement qui rôle l'État gagné dans la création d'entreprise, dans la création de travail, dans créer conditions pour moun jouer un travail, dans retirer moun nan chômage, etc. Et bien, je dis là, avec Caleb Monel, nous pral parler ensemble qui stratégie pour gouvernement créer qui stratégie pour un gouvernement qui veut mettre en place pour créer travail. Et m'a dit bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec monsieur Caleb Monel. Avec lui nous pral faire yon bon petit parler. Bonjour, bonsoir monsieur Monel, comment est bienvenue dans l'émission. M'a salué vous Yannick, m'a salué toute équipe Libre Opinion, m'a salué toute auditeur auditrice Libre Opinion aujourd'hui et merci en pile pour temps ça que nous va passer pour nous parler d'un sujet qui est extrêmement important pour pays nous, c'est stratégie qui change gouvernement qui a créé travail. Eh bien, monsieur Monel, il y a une question qui est fondamentale, qui est basique. En pile monde toujours poser tête sur question ça. Nous avons un pays côté que et près de 85% de la population pas travail, ça cap travail son chômage déguisé, pas rien sérieux cap régler. Et question d'arrêt mon répondre pour auditoire là, qui est-ce qui censé là pour créer travail? Est-ce que c'est l'État qui l'a pour créer travail ou bien est-ce que c'est secteur privé qui l'a pour créer travail? Qui ça bagaille là directement? Bon, et en fait, et la question ça fait développement économique, l'État avec secteur privé travaille. Mais pour créer travail. En cas général, mais l'on commence à aller dans la distinction rôle chaque, nous jouons que chaque joue un rôle spécifique dans créer travail. Mais faut dire tout, créer travail, c'est tout un ensemble de sciences de stratégie qui est lié, parce que pour créer travail, il faut qu'on ait besoin pour que vous créez travail. Pour créer travail, faut joindre et monde qui gagne talent avec connaissance qu'on besoin pour investir dans ce secteur là pour ce secteur là avancer et tout ça qui donc principe c'est que l'État lui-même lui exister ou lui créer un environnement qui favorable pour que travail capable développer dans pays là pour que quelqu'un ait un job dans pays et ceci pour l'État. Pour l'État faire ça, c'est à travers une série de stratégies que l'a mettez sous pied pour que faciliter le secteur privé à lui-même grandit économiquement côté à gagner plus de jobs. Ça fait une. Deuxièmement, l'État lui-même lui gagne pour créer des lois qu'il a passé des lois pour que lui-même des politiques de développement pour que les créer un environnement côté que secteur privé, hein, l'un secteur privé national, international, capable lui-même investir, ouvrir business, agrandir business et tout dans le pays. Qui donc, l'État, c'est commencement. L'État, c'est commencement dans affaire créer un environnement. Et si je peux expliquer, on continue à piquer toujours. Assez souvent, on entend des gens dire, businessman dans Haïti, businessman international, et diaspora dit que, ah, on a ouvert un business, mais la situation pays n'est pas bon. On a investi, mais le système bancaire là, le système façon de prêter comme là, pas bon. On a investi, mais il y a pas de jeunes monde qui gagne yo c'est de connaissance en bras ça pour travail pour moi forme jeune monde ça pour faire travail là et bien kounya là ça vient faire que l'État vient paraître devant tout le monde est-ce que l'État
a créé une stabilité dans le pays pour que mon effectif crée travail. Est-ce que l'État lui-même l'a pour créer une série de projets, de lois, une série de politiques de développement pour qu'il facilite l'investissement, développement business là? Et puis, est-ce que l'État lui-même a investi dans l'éducation pour que lui former une armée de monde, un groupe de centre de monde qui gagne connaissance, qui gagne une série de connaissances avancées dans le point que le business a besoin de monde, il a besoin de tout parler pour que lui-même lui a grandi de mission. Qui donc, l'État a un rôle primordial pour commencer lui-même dans le sens de parler. Mais pour nous, créer, tant que nous prenons par exemple les Haïtiens, créer une entreprise, petite et moyenne entreprise, faciliter mon yo créer travail, living sans c'est un petit genre difficile par rapport avec le système bancaire. Est-ce que pour nous, c'est pas l'État pour ta régulariser le système bancaire là? Parce que, il y a des banques privées, pas accessible pour aller prêter l'argent là-dedans. Pour nous, est-ce que l'État n'a pas intervenu pour régulariser le système, non, pour créer un climat qui favorable, qui propice pour les gens qui ont besoin de prêter cob, pour les gens qui ont besoin de chercher investissement, soit yo al fè nan banque et l'État yo, ou bien al fè nan banque privée. Est-ce que vous n'avez pas de job l'État pour créer des conditions pour les gens qui ont accès à crédit pour yo mettre en campé entreprise? Point de stratégie que moi mettez dehors pour comment que gouvernement capable créer travail dans pays a ligne 5 points stratégiques. Point numéro 2 c'est que c'est pour gouvernement identifier et mettre en œuvre un programme d'aide financière aux petites entreprises pour stimuler les innovations et les entreprises en démarrage à fort potentiel de croissance. Ça veut dire qui ça? Ça, c'est exactement. Et Kounia là, pour entrer dans le détail, Kounia là, ça c'est grand point. Pour entrer dans le détail, Kounia là, ça veut dire que le gouvernement, il y a des programmes financiers pour le créer, pour permettre si business qui fait, si business existait avec ça qui apparaît, joindre ça que l'accompagnement pour que vous grandissez. Ok? Parce que assez souvent, il y a un monde qui a un business, mais nous connaissons très bien dans le pays, nous. T'as le besoin, c'est une forme de backup, de quantité de cob que l'a besoin pour commencer business, ou bien pour l'avancer business, là, on prend que l'a besoin ou assistance dans l'État. Dans tout pays qui avance, qui développe le point de vue économique, l'État lui-même met de côté dans le budget, ok, à partir du département travail, département économique, et ministère économique, il y a une quantité de cob qui l'a pour assister petit business, yo grandit. Ça, c'est une notre stratégie. Yo. À part de ça, l'État lui-même lui doit permettre que la politique bancaire là, lui existe côté que lui pas une politique bancaire qui a valé ces business, qui a tout nos poids lourds pour ces business. Au contraire, lui doit favorable, c'est ça que nous disons à ça, lui favorable pour aider ces business à grandir. Parce que dans le cas de ça, lorsque l'État qui a facilité moyen ça, lui permet entrepreneur là, business là, machin là, lui avancer, permettre lui avancer dans ce sens là, parce que ça a besoin pour que une croissance qui fait dans le pays, un développement travail. Parce que, yon business qui commence année ça, lui grandit, année prochaine, la pas commencé, maintenant fait année à même, à n'importe quel moment, business a grandi assez, la pas commencé à créer travail. Mon premier monde, deuxième monde, troisième monde, 5, 10, 15, 20 monde, business a grandi. Ça, c'est ça qui est là. Un système qui favorable pour business au point de vue bancaire, au point de vue financier, pour que si business lui-même lui grandit dans ce sens et puis lui crée travail dans le pays. C'est ça là, que l'État va l'emmener à le secteur privé, c'est le résultat ça que nous jouons. Mais Kounia, et dans le pays qui a fonctionné, dans le pays côté que principe respecté et l'État qu'on rôle le secteur privé a qu'on limite, et nous ouais et yo faciliter création et d'emploi, gain travail pour moun yo gain accès pour le travail, etc. Parce que l'État assume responsabilité. Jodi a, on a regardé comment et secteur privé a propriété et sous l'État ça s'est gagné et pour régulariser secteur privé à mon ouais. C'est contraire là qu'a fait ce secteur privé à cap imposer la loi là avec l'État, avec le gouvernement en place. Kounia, est-ce que d'après vous-même,
li facile en Haïti comme si yon moun ki besoin vin fè yon bizis meton bizis kapè, surtout moun ki nan diaspora yo tout temps y a parlé de nécessité yo rien pour ta vin meté bizis en Haïti. Est-ce que on pense gen yon moyen que jounen jodi an moun sa yo ka utilisé pour yo forcer l'état ou bien pour yo ta soit pour yo ta regrouper ensemble pour yo camper en face l'état par rapport avec exigence yo a fait sous l'état? Est-ce que yon groupe moun ki décide vin mete entreprise en Haïti yo ka fè l'état exigence par rapport avec concurrent ki en face yo? Bon, nan yon nan bagay ke mwen fè analyse sou li et asse souvent parle de li, mwen toujours di kon sa ke Haïti pa gon problème politique, Haïti pa gon crise politique, Haïti gon crise de leadership. Bon, se kote gen leader ou gen moun kap innover, kap créer, kap penser, kap réfléchir, kap agir pour intérêt peuple là. Ou gen leader travaille se vin ak solution. Ou gen leader travaille se wè problème la vini, yo gen ta répond ale. OK? Ki donc pour que secteur privé ou bien diaspora ou bien ensemble de moun ki doué ki pral vin investir, vin faire business dans pays, ya ou bien ça voulait grandir business au plus. Pour y a faire pression sur l'état et tout ça pour l'état ka agi, ça pas ta doué fait. L'on pays qui gen vrai leader ka réfléchi pour peuple, ka réfléchi pour avenir pays ya. L'état ta doué yon ensemble de moun et gouvernement ta doué ensemble de moun qui gen vision, qui gen capacité, qui gon plan stratégique que moi-même que me parler dans plan stratégique de développement création travail dans pays là et pour que yo créer ça créer un processus national pour croissance travail là capable faire dans pays là. Ça veut dire que premièrement en dans pays là nous gen dans les nous n'a pas répondre pour toujours la question en dans pays là qui ça gouvernement ouais au point de vue éducation, dans quel niveau gouvernement investit dans formation technique jeune, dans formation professionnelle, formation académique jeune, pour préparer yo vers une économie qui va avoir besoin en série de monde avec des connaissances spécifiques que l'économie a besoin pour fonctionner. Ça fait yon. Deuxièmement, l'État lui-même doit réfléchir, ok, qui côté le pays à aller, dans quel secteur pour l'État identifié pour un secteur qui favorable à développement économique pays, agriculture, technologie, manufacture, assemblage, tourisme et d'autres encore, et santé même, ok, tout ça. Secteur développement, ça a demandé pour l'organe l'État qui gagne leader là-dedans, il a réfléchi, il a analysé, il a regardé tout secteur dans le pays qui ou même pas gagne besoin d'un plan stratégique rapide pour qu'il avance. Au point de vue international, il y a encore plus gros, plus belle. Mais malheureusement, nous pas une crise politique, nous avons une crise leadership. Parce que l'on regarde, au point de vue international, quantité étrangère et diaspora qui t'a remis investi dans le pays, nous voyons ça créer une quantité de jobs rapide. Parce que c'est des gens qui des fois viennent avec tout investissement et tout pareil, et tout équipement et tout pareil, ça a besoin, ils ont besoin, yon acceptance souterrain qui permet de paraître et puis établir business. Est-ce que nous avons l'État qui a un leader qui a réfléchi pour créer un système côté moun nan pap nan monte descend qui a pour enregistrer business li, qui a pour former business li, qui a pour établir business li? Non, nous n'avons pas ça. Moun nan fait plusieurs semaines après tant yon série de permis, papier nan men l'État, et là peut on bonne bagaille et pour le papa là douane connait pour faire matériel entre son misère, OK, tout ça qui donc mon envie soit découragé ou bien le rester regarder dire ah m'pas investi dans pays tête cage ça. C'est là en fois nous retourner à la première question, l'État doit mettre sur pied un environnement qui favorable pour des business grandir. Et m'a regardé document là monsieur Monel, document partagé avec moi hein? Et ou anticiper sous moi va même temps moi rentrer dans document et gagner critère 2 hein, qui vraiment est intéressant, identifier nos secteurs de croissance. Je ne veux dire là ou même c'est ou même qui expert et c'est ou même qui spécialiste qui expert en développement d'entreprise et en Haïti
si nous t'arrêtons pour nous identifier des secteurs de croissance ou bien des secteurs côté que l'État a investi ou bien et soit secteur privé a décidé de faire un partenariat public-privé avec l'État, qui ça nous t'a doué privilégier je me jodi là comme secteur de croissance, comme secteur et nous t'a investi là-dedans qui t'a bailler rentabilité, qui t'a tirer profit le plus rapidement possible pour nous empêcher que gen chômage ça cap multiplier, pour nous empêcher que haïtien journée jodi là et porte de sortie yo c'est joindre un visa, c'est prendre bateau pour courir quitter pays, mais l'État t'a pas faciliter et création d'emploi, l'État t'a pas créer conditions pour Haïti rete, et pour haïtien rester dans pays. Bon, et pour nous dire que pour et pour une stratégie que me développer yo qui gens pour l'État gouvernement créer et job dans pays a, Fom dit que et gain premier point hein, pas vrai qui lui-même premier critère là pour nous dire que c'est identifier ressources humaines nous avec environnemental nous OK que nous-mêmes dans l'État et nous dans gouvernement pays nous pas vraiment gagné OK et c'est un point qui est vraiment important pour nous regarder mais comme on demande sous critère numéro 2 hein, qui non, sont, qui fait partie de ou qu'a toujours et commencer avec lui pas de problème. Bon, exactement, parce que son processus lié, ok, il est très stratégique, afin que moi, il est le point stratégique. Il est très stratégique. Et avant de bâtir un cas, il faut qu'il y ait un ouvrier. Avant de bâtir une économie, il faut qu'il y ait des hommes et femmes qui prêts pour eux-mêmes investir connaissance dans l'économie. C'est ça que fait critère numéro un pour l'État fait, pour l'État fait, pour le gouvernement fait, l'un des leaders qui a réfléchi, qui a pensé, c'est identifier les ressources humaines et environnemental. Ce qui ça veut dire par là. Et où nous dit que nous allons développer pays, nous allons pas commencer par tourisme, secteur touristique, on prend ça comme un exemple. Kounya là, est-ce que nous avons cadre formé, est-ce que nous avons professionnels de techniciens formés qui pour gérer ce secteur ça? On dit qu'on quantité hôtel et resort etc. débarquer dans pays, diaspora, monde local veut investir, on a bien investi, est-ce que nous avons monde qui prêt? OK? Parce que l'on va établir hôtel, resort, va faire centre convention, ou va faire spectacle, ou va faire bail tout touristique, et d'autres, faut qu'il y ait des monde qui ne savent pas faire management. Hôtel, faut qu'il y ait des monde qui connaissent gérer événements, faut qu'il y ait des monde qui connaissent gérer hôtel, et ça veut dire festival, concert, et tant d'autres encore. OK, dans les affaires domaine hospitalier là. C'est vraiment critique parce que sur tout un secteur pour compte lui qui donc l'ont identifié secteur ça ou est-ce que les ressources humaines qu'il y a l'État lui-même OK puis devant dans plan dans un point on dit que l'État va investir dans éducation professionnelle et technique groupe de monde ça dans pays à travers une série d'institutions dans pays là. Il va demander pour que depuis qu'il a besoin pile monde qui pour former préparer yo, pour que yo ka entrer dans ce secteur ça. Ça c'est un exemple que nous prenons. OK? Et environnement, n'a pas identifié environnement nous tout, n'a pas gardé pour nous qui ça environnement ba nous qu'on capable dire que pour nous identifier pour nous commencer créer job. Par exemple, n'a pas gardé secteur agricole nous, OK? Qui ça que nous te compte produit, qui ça nous ka produit capacité nous qui en ka répondre. N'a pas gardé secteur touristique nous, sont là encore. C'est même bagarre là. Je dis qu'il faut identifier très bien. Même identifier, c'est pas juste que tu dis ah n'a pas investi dans ça. C'est à partir des études qui viennent avec des données qui montrent ça que tu fait déjà, ça qu'a fait des côté projection côté qu'a aller. Ça a demandé pour nous bien analyser les gens leaders non gouvernement non l'État qui a réfléchi dans ce sens là. OK? L'en fin garde, l'en fin identifier ressources humaines nous yo. Qu'on y a là secteur de croissance, non? Qui secteur qui a bail plus travail dans le pays? Malheureusement, tout le monde d'aujourd'hui a besoin de travail dans l'État. OK? C'est ça qui fait tout le monde c'est dans l'État, mais il travaille parce qu'il y a prétend l'État bail job. Il prend l'État comme un secteur et comme on part dans le secteur privé. Exactement, qui totalement pas l'avantage pays. Il n'y a pas façon de garder parce que l'État vraiment vrai, c'est. Il n'est pas là pour lui-même pour le bail, il est là pour le créer. Il est là pour le créer l'atmosphère là pour que le secteur privé, national, international, crée des jobs dans le pays. On a identifié le secteur dans le pays.
par exemple, il y a un manque. Il y a un manque de professeurs, on peut devenir éducation dans le pays. Il y a des gens qui veulent faire recherche, il y a des scientifiques, ok? Lorsque vous rentrez dans le secteur agricole, ou vous avez immobilier, ou vous avez transportation, ou vous avez distribution de produits agricoles, ou vous avez achat, ou vous avez vente, ou vous avez produits agricoles, ou transformé en produits local, ou vous avez usine qui a fait en bas, usine qui a fait l'huile, usine qui a fait gelé. Et tant d'autres. Quand on a l'offre, on garde tout ensemble ça. Ouais, que bien secteur qui est capable de créer job. Il peut créer job à même rythme. Il peut créer même quantité de job là. Mais gagner qu'après de canalisation, on peut créer job. Par exemple, il y a un secteur dans le pays qui a créé job rapide, c'est le secteur santé. Nous pas gagner assez l'hôpital, nous pas gagner assez clinique. OK? Kounia là, non, il n'y a pas assez de pharmaciens, pharmaciennes, pas assez de gens qui ont fait recherche médicale dans le pays. L'on investit dans le secteur ça, qu'on a envie de créer ensemble de gens dans le secteur médical là, qu'on a là qui prennent un job, qu'on a pas créer l'hôpital, ou pour créer tout centre de santé qui existait, tout besoin de répondre et nécessité de répondre à eux. Qu'on a dans le secteur branche médical là, où vient créer des milliers de jobs. Parce que la quantité d'infirmières, de docteurs dans le pays qui ne font rien, et nous comme ça, et côté que créer, investir dans le secteur médical, créer un job. Donc, c'est un constat que nous gardons et nous identifions le secteur de croissance. Et puis, qu'on a, comme l'État, nous investit stratégiquement là-dedans, avec des politiques et macroéconomiques, et pour que nous soyons capables de faire avancer et développer comme ça, il va créer des jobs. Monsieur Monel, je vais faire un petit camp pour là. Parce que, bon, bagay, oui. Depuis là, nous petits, nous l'école, nous toujours tendé à dire Haïti est un pays essentiellement agricole. Mais si, depuis à la base, vous faites nous comprendre que Haïti, c'est un pays qui est essentiellement agricole, et production pays, ou bien développement pays, il est basé sur l'agriculture, et nous avons gardé quantité de produits, nous avons importé, quantité de bagages, nous avons acheté dans l'autre pays, rentré sur le marché, et pour du riz, nous consommons en pile du riz, c'est du riz qui sortit aux États-Unis, qui rentre dans le pays. Moi, je pense que le secteur, et principal secteur, et de croissance, peut-être que l'État et le secteur agriculture, là, côté que l'État a investi, créé conditions pour les et pour les paysans, produire un paquet de jury pour mettre du jury disponible à bon prix sur le marché. Mais nous, ça n'a pas arrivé fait. Est-ce que d'après vous-même, c'est parce que l'État n'a pas mis en place une véritable politique publique sur ça qui est pour avec l'agriculture là? Ou bien, de préférence, c'est parce que l'État favorise l'importation ou bien moun sa ou qui dans l'État, il y a plus. Et yon gen plus à gagner nan fè du ri l'autre pays, nan fè l'autre produit l'autre pays rentré en Haïti, qui fait que jounen jodi an la agriculture la li nan niveau que li a. Bon, premièrement, on a regardé le concept qui dit que le pays d'Haïti est un pays système agricole. Et livre ça qui t'a écrit, t'a dit ça. Et combien d'années livre ça a gagné depuis que t'a écrit ça? Ah, jusqu'à présent, y a vann nou idea, oui là. Y a vann ti moun nou idea, oui. Lim sa li gen pou li pi grapase mi pi grapase. Ok? Sa, et tande bien sa ke mbral si ya, se ke mond lan, sosyete ya, pase a diferans akre le revolution ekonomik. Nou pase industriel, ok? E nou pase revolution agriculture, tout sa. E gen kounya la nou antre nan teknoloji ki ap koure an vite supérieur, nous-mêmes nous étions toujours nous essentiellement agricoles. C'est là qu'on y a là, nous avons gros besoin pour nous investir dans l'éducation, nous si nous voulons avancer économiquement, parce que base économique, c'est éducation que lié. Ok, c'est éducation que lié. L'on investit dans l'éducation ou créer des cerveaux, ou créer des capacités qui peuvent réfléchir, penser, innover, créer des bagailles tout neuf. Ou est-ce que c'est le monde qui pense des bagailles tout neuf, qui vient rentrer avec la révolution technologique. Le monde qui a pensé différent, qui est entré avec la révolution industrielle, et d'autres que nous connaissons. Qui donc, les gens là, ensemble, éducation, nous chita sous même données, sous même livre qui était écrit 50 années de cela, Haïti son pays, c'est agricole, et puis nous campions là, tout si nous avons levé, voilà, nous, que faut planter, faut acheter, c'est là, et puis qu'on n'a pas besoin d'un pays. Tandis que, il y a des pays, ma
majorité développement économique yo c'est sous tourisme lié gain c'est sous technologie que lié gain c'est d'autres gain c'est recherche et développement que yo fait nous pas ka connait la utiliser yon livre pour dans ce petit monde nous yo que Haïti son pays socialement agricole qui donc on correction pour faire là rapide pour nous changer de direction si nous besoin pays aller plus loin parce que nous connait connait dans monde ça agriculture plus qu'agriculture qu'on a que ça y aurait l'eau base agricole tech agricole technologie a vienne marier avec agriculture elle fait travail là ça veut dire pas là les monde plante pour gars ou est-ce machine calquer manco ces machines calquer raisin ça paraît c'est gros beau pas que question mon a marcher avec un bourrette ou bien un sac de dos la ramasser bagage encore OK Julia kounya c'est pas moun kal ramasser Julia ça paraît qu'entrer dans terre et puis ramasser Julia ça veut dire qu'on kounya là nous entrer technologie industrielle là dans agriculture là qui vient permettre que nous créer production du riz nous plus rapide. Mais bon l'autre aspect tout et si l'état te vient avec les politiques publiques pour relancer l'agriculture là pour bailler résultat bon peut-être tu t'es toujours et continuer avec même démarche ou pas faire rien dans domaine dans tout ça faut souligner. Oui, ça allait dans point que moi t'ai expliqué là et qui c'est premier point que m'explique dans développement stratégique noir pour créer travail qui c'est investir pour l'état bon investir dans plan stratégique pour stimuler un enseignement technique orienté vers un plan de développement national. OK? Tout ça m'a lié ensemble, tout ça m'a connecté l'un à l'autre, c'est l'un connecté avec l'autre qui permet que nous arrivions côté nous. L'État, par exemple, investit dans le cerveau jeune nous, dans le cerveau étudiant nous, OK? Qui dans l'école secondaire technique professionnelle universitaire, nous grandissons, nous venons apprendre que nous devons qui ça dans le pays. Ingénieur, docteur, avocat. Jusqu'à journée aujourd'hui. OK? Yo canalisé mon yo. Oui, nous canalisons nos bagages qui existent depuis 50 ans de cela. Pendant ce temps, nous voyons qu'il y a un avocat qui est un gros businessman. Des ingénieurs qui ont là, ils ne travaillent pas pour faire génie, mais ils travaillent comme des chercheurs, comme des développeurs qui ont un ensemble de business qui ont créé. Ou bien un médecin kounya, médecin pas juste à chercher travail dans l'hôpital, médecin kounya la fait recherche et la fait étude, ils sont professeurs, il y a différents routes au professeur capable prendre, plusieurs routes au professeur capable prendre. Qui donc les nous programmer moun yo. Peuple haïtien qui docteur ingénieur avocat pour nous, agriculture nous balvague, nous pas investir là-dedans tandis qu'il faut nous manger. C'est ça que fait kounya là, l'entre nos magasins pour nous retourner sur agriculture là. Ou est-ce qu'il y a jus mango, jus pomme, jus pêche qui sortit dans l'autre pays? Tandis que nous avons mango dans le pays, nous, si que l'État investit dans le cerveau, dans l'éducation, investit dans le cerveau jeune, ou t'as bien jeune qui t'a sorti, qui t'a mis dans l'industrie, une industrie campée, qui t'a pris mango, qui t'a transformé en jus, qui t'a transformé en bon confiture, c'est pas boîte qui dit que, ou regarde une boîte, un jus mango, qui a tout fait en Inde, au Brésil, Costa Rica. et puis nous avons mango. Excusez-moi, Yannick, et puis la loi, non, c'est de côté en province, ou mango à pourriate, ou lama pourriate, ou cocoya pourriate, et puis n'a bouek le cocoye dans bel petit boîte en balé qui sorti Costa Rica. Mais bon, c'est pour qui ça? Bon, l'autre bagay tout. Okay. Et qui sont abdis dans cause de ça? Quel est le produit qu'on a regardé, ou dit produit ça, ou c'est spécifiquement pour Haïti, spécifiquement pour République Dominicaine? Ça passe, pour qui ça? Il y a quelques pays qui ont fait produit yo, et ils ont mis sur emballage même produit ça, li destiné pour Haïti seulement. Ça passe. Pour qui raison ils ont orienté ou bien ils ont voyé produit directement dans le pays ça pour le vendre? Il y a une raison vraiment stratégique économique qui est entrée dans la décision ça. Et vraiment, c'est un bagage que pour nous faire très attention à lui. OK? Et parce que longtemps, ils ont compagnie. Et parce que maintenant, le groupe pays a existé, il y a un produit, et par exemple, et premièrement, il y a un système qui est le quality control, système de qualité, contrôle. L'offre un produit, test que le produit a doit passer, ok, pour que vous dites que bon, la bon pour santé, monde, et produit ça a duré 6 mois.
et après 6 mois elle quitter l'elle rivé sur marché là il doit jeter lui produit ça l'en t'a fait lui il était gain trop sel trop sucre lui pas gasser jus là dans et tout ça là que fait tout test ça yo il y a des produits depuis que dans système par exemple États-Unis depuis que produit ça pas passé toute test yo il pas rentré sur marché là et s'il rentre sur marché là l'État fédéral a mené compagnie ça à la justice. Et ça fait tout. Okay. Ou surtout produit, on a consommé qui va rentrer dans 20 monde. OK? Et l'offre produit tout, on doit mettre sous produit tout, on doit mettre dans sous boîte produit, qui j'ai les ingrédients qu'il a donné, quantité qu'il a donné. Malheureusement, ça nous capable suspect qui fait jusqu'à ce que nous confirmer ça, c'est que il y a des produits qui pas vraiment passer tout test, tout standard, yo, au point de vue santé et d'autres productions, a décidé de la gueule dans le pays où on n'est pas de contrôle ça. Ok? La gueule dans le pays. Oui, ou bien doit acheter un jus, le gars de jus, ça a 90% sucre là-dedans. Ou, par exemple, on jus de l'ouage dans la boîte. Yo, moun ki chita ka boue jus, ça, qui a 90% sucre là-dedans. OK, ça a veut dire ça. Son monde puis devant qui pourrait le gagner. Et même dans pays développé on gagne ça oui, mais il faut que sous produit là, compagnie mette information ça pour nous connaître. Qui fait qu'on y a la gagne pour la Haïti parce que connaît que ah, monde là c'est juste n'a pas acheté, n'a pas consommé, n'a pas acheté, n'a pas consommé. Pas gain test qu'a passé, l'état pas mandé et ça qui relait pour disclaimer pour que compagnie lui-même cap vendre produit à sous dans pays à niveau il bas département santé département agriculture tout résultat test et pas gain monde dans l'état qui t'a doit réviser résultat test normalement pour est-il normal pour que monde consommer produit ça nous juste consommer dans pays étranger l'autre pays qui avancé il fait ça faut toute compagnie voyer résultat test li par l'état. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas même besoin de distribuer le produit. Donc en Haïti, il prend pour cobaye, il prend la population pour cobaye, il vient tester le produit, il vient vendre le produit, il vient faire l'argent. Nous ne pouvons pas l'État. Au point de vue technique, Malek Chiko, bon produit que moi testé à Haïti, je vais tester à moi à Haïti pour la première fois, je ne vais pas aux États-Unis. C'est un an après, je viens lancer les États-Unis. Je ne sais pas qui produit parce que je ne sais pas. Mais son produit que là en Haïti, mon consommé, mon boue, je dis, oh, après, vous faites qu'il y a produit ça, quand il y a là, après, vous mettez un pile café là dans les bails, ça, vous regardez, je dis, qu'est-ce que produit ça, il y a plus en pile. Et bien, je me teste le vrai. Je me consomme le produit là, vraiment, je me sens différent. Et je dis, il y a un faux café là dans les produits à faire voltiger. Ouais, dis-moi après, parce que vous ne connaissez pas si je ne sais pas. Oui, oui. Donc, il y a un pile produit là, si on sait de ce pays, il y a une réaction. La fait la caïmonie, il suit. Après ça, il y a la guerre de l'autre pays. Bien que il y a fait le test là, de côté par un laboratoire, mais il n'y a pas fait ça. Il y a la guerre de l'autre pays. Comme ça, tout y a des produits parce qu'il y a perdu. Parce qu'il y a des produits là, offert dans l'autre pays. S'il pas bon, s'il pas passé le test là, il y a jeté, il y a des produits pour ça. Mais ça, il y a fait, il passe à yon. Acheteur qui lui même prend yo là le vend dans pays d'Haïti donc il parce que loi principe loi principe dit comme ça que si produit a pas parti tension ou doit détruire ou doit jeter lui ou doit éliminer produit ça donc comme on va y pas le faire perdre il prend il vend nous l'autre côté son information capitale partager avec moun yo et moun yo nous vraiment rencontrer avec genre de scénario ça nous souvent rencontrer avec des séries de produits médicaments également produits alimentaires médicaments donc pays en bah yo vraiment difficile en Haïti et ça fait nous toujours parler de insécurité généralisée c'est pas seulement question de nègres zam bandi mais c'est insécurité en sous toutes ses formes monsieur Monel. Est-ce qu'on pas quoi et insécurité hein, les marchés de pair avec impossibilité qui gagne là pour gagner investisseurs étrangers pour gagner plus et travail qui crée en lieu dans pays. Est-ce qu'on pas penser l'état a supposé d'abord gérer question sécurité hein, si toutefois nous t'avons parlé de progrès économique, nous t'avons parlé de création et d'entreprise ou bien création d'emplois.
Et pas oublier que je t'ai dit dans le commencement, rôle l'État, c'est pour créer du travail, mais qui j'ai pour créer du travail, c'est pour créer un environnement favorable à la croissance de l'emploi. Qu'est-ce que vous dit? Mande n'importe qui monde qui est à l'étranger. Et vous avez investi en Haïti, ou est-ce que ça a pris pour et moi, pour réponse prêt. Mande n'importe qui business en Haïti. Est-ce qu'il y a pas embauché plus de monde, il y a du non. Au contraire, c'est fermé, il y a fermé. Ça veut dire qui ça? Environnement pas favorable. Conditions pas réunies. Non, conditions pas réunies pour créer du travail. On dit tout, on importe. Insécurité a été plus pour investisseurs étrangers avec diaspora parce que tu as fondé un système terroriste dans la douane. Les que yon diaspora, yon investisseur étranger apporté à produit li, li nous fait tellement passer misère, li fait groupette, li vini quitter ça. C'est un système. C'est un système. Oui, c'est un système corruption qui vient créer yon environnement côté théorisé investisseur mentalement, économiquement. Et puis, je ne peux pas investir dans un pays comme ça, parce que quand il y a un pays qui a fonctionné, si je paye un produit, je paye, je prends un produit, je vais aller, puis je vends, puis je finis, et puis je paye service, je paye job dans le pays, je crée travail, je m'investis, je paye taxes, et puis belle bagaille. Mais des individus qui trouvent que c'est normal pour eux-mêmes, pour acheter une série d'individus qui travaillent dans la douane, non, qui c'est la douane dans le port là, ou bien aéroport là, ou bien sous frontière. Les vous voyez produire à passer, c'est pas un tel, bloquer les taxes, les sur-taxes, les triple taxes là. Et puis, mon nom dit, c'est pas possible parce que nous avons perdu. L'histoire, ça a sur le réseau, mon cap est diaspora avec l'étranger qui a pu investir dans le pays, il est tellement saccagé que vous verrez deux, qui veut dire que commencement ça, bagaille ça, c'est lui qui va nous donner des autres nous dans la rue qu'on a là. Ok? C'est mettre un système en dollars pour théoriser le monde à travers la matière sur facturation et d'autres, qu'on y a là, ils prennent la vie. Qu'on y a nous perdons le contrôle, ils me disent nous, l'État perd le contrôle net, oui, nous perdons le contrôle des autres, ça, corruption, ça, dans le pays. Mais forme de concurrence déloyale, ça, l'État participe là-dedans, parce que vous avez gardé des séries de monde là qui a fait business, qui sont marchés depuis bien longtemps. Moun sa yo pa gen problème de pou avin investi ou son entrepreneur, l'État ok ou gon franchise ou bénéficie pendant un nombre d'années. Mais l'on regarde de façon moun sa yo gen de série de moun la sou marché a kap bénéficie franchise, comme si franchise en lien déterminé. Qui prend monopole de série de secteurs d'activité ou de pays gen moun la ou pa fouti rentre avec du riz ou pa fouti rentre avec de série de alcool. Yo prend monopole. Alors que l'État, ça c'est là pour garantir tout le monde égalité de chance. Même dans le business, l'État, ça c'est là pour garantir même droit X gagner, hein? Si la font business, si la vini avec marchandises, Y doit gagner, Z doit gagner. Mais c'est même le monde qui est dans l'État, dans le système, comme M. Monel, qui a même qui a découragé investisseurs, qui a découragé des séries de monde qui t'a gagné intention, qui t'a gagné volonté pour venir investir en Haïti. Et donc, par rapport avec situation ça, ça vient pousser mounio, ça vient pousser mounio avec un refus systématique, qui pas même besoin de penser, non seulement qu'on y a une insécurité, hein, et puis avec toute l'autre forme de corruption, mounio pas même penser encore pour investir en Haïti. Donc, d'après ou même, pour y a, par rapport, qui t'aime avancer, oui, m'bral ba ou doit de réponse ça. Par rapport avec situation ça, est-ce que vous pensez, insécurité, chômage, et li contribuer en pile, non, et fuite de cerveau, fuite de capitaux, moun kap kouri qui te paye là, un paquet de jeunes kap kouri qui te paye, est-ce que ça contribue là-dedans selon vous-même? Bon, et pour me courir pour commenter ça qu'on dit, dans toute société côté que gagnon politique publique d'économie et de développement, ça le monopole a pas existé. Au contraire, c'est travail l'État pour l'assurer que pas un monopole. Dans tel secteur dans le pays. Et exemple que nous avons sur Google, nous faisons, je dis à même, et Spirit Airlines avec JetBlue, ils ont acheté l'autre, okay, pour faire seule ligne aérienne. Département justice dans le pays américain, intervenu,
ni garder dossier hein kounya la li dit non pas fin d'accord non pour que deux lignes aériennes ça au fond seul parce qu'il y a bien trop puissant dans le système et mode et le prix d'avion qui coûtait moins cher dans le pays a par rapport avec American Airlines, Delta et l'autre. C'est okay? Consommateur qui a payé ça. C'est argument ça que le département justice pays a fait. Qu'on a bloqué ça. Qu'on a forcé JetBlue avec Spirit, dit qu'on ça que bon, si que nous arrivons à une fois seul, il y a des marchés, on a liquidé. On a liquidé. Qu'on a vu entrer dans la négociation à l'État, qui n'est pas capable pour rentrer fonds merger pour fonds seul, pour une fonds seul compagnie, il y a des marchés, il n'y a pas qu'à rentrer, il y a des marchés, si rentrer, il n'y a pas obligé qu'il y ait un prix qui est favorable à marché. OK? Ça, c'est nos pays côté qui ont un système économique, qui ont justice, un système judiciaire qui a gardé, qui a veillé pour assurer par des gens qui a abusé pouvoir force économique. Yo. Et pays, ça, pays doit consommateur respecter. Exactement. Parce que l'État lui-même est là pour assurer que pas de abus économiques qui fait et le protéger consommateur. Quand il y a là, pour entrer dans poche, l'autre ça qui nous dit, en fait, Haïti vient d'entrer dans le cadre qu'on a là, ça l'eau et dans le cadre cerveau qui a quitté Haïti. Ok? Chute de cerveau. Chute de cerveau. Moi-même, les sécheresses, la séché. Ok? Et dans le pays, il vient accélérer. Il vient accélérer pour qui ça? Des deux côtés. Un, ou gagnons environnement dans le pays qui n'est pas favorable pour le monde vivre, pas gagner la vivre. On a nous honnête à tête. Non, pas gagner la vie. Pas gagner la vivre dans le pays. Et ceci, nous avons parlé depuis 2010, nous avons prédit ça. Nous avons dit que le côté privé, le pays a éclaté socialement. Et c'est ça qu'on a fait là. Qui donc, lorsque on pas gagner la vie dans le pays, réaction être humain, c'est pour les changer zone à l'autre côté qui est bon. À travers l'histoire, les nous suivent. L'histoire, d'après côté qui est la guerre, les gens qui sont zone guerre, ils sont à l'autre côté. Ils sont allés en exil. Ils sont tous les réfugiés. Côté qui est sécheresse, les gens qui sont zone sécheresse, à côté qui est bon. Côté qui est arrivé un dégât naturel, un cyclone de terre, les gens qui sont à l'autre côté qui est mieux. Ça c'est réaction être humain, c'est psychologie être humain. La personne est côté qui est mieux. Tout à fait. Les gens là dans le pays n'ont pas gagné la vie, nous-mêmes comme êtres humains, réactionnés, cherchés côté qui doit bon. Oui, mais, yeah, c'est ça, c'est exactement ça. Dans le côté qui est bon, parce que faut nous vivre. Parce que nous avons droit à la vie. C'est droit universel, naturel, et que ça y est. Nous avons droit à la vie. Quand y a la lait, condition va favorable à côté nous, hier, dans le côté. C'est une réaction totalement naturelle, ok, qui n'a qu'à être humain qu'à ici, hein, qui cause parce que nous pas besoin de détails, nous connaissons une situation dans le pays, non. Qui donc, qu'on y a là, si c'est voyager, n'a voyager, si c'est bateau, n'a pas, si c'est caille voisin, et si nous allons aller plus loin, nous faisons, nous finissons. Parce que c'est une réaction naturelle et qui est normale, ok, pour nous faire. Bon, question à poser, avec dernière question. Et pour nos clôtures et interviews. Pendant la période de COVID, là, aux États-Unis, il y a un programme PPP Loan que j'étais vraiment entendu à parler souvent, côté que le gouvernement mettait l'argent disponible pour aider les entreprises, pour ne pas faire faillite, pour aider les entreprises, pour ne pas écraser, etc. etc. Et par la suite, vin gagner des séries de monde, bon même haïtien, même communauté haïtienne n'a participé dans fraude dans quatre programmes ça. Et en Haïti, bon, est-ce que fait transfert là en Haïti mes amis parce que bon, nous gagnons n'a pas même ka aider, qui pas même ka aider vraiment et monde qui a contribué. Est-ce que kounye a l'état pas ta supposé mettre campé yon plan stratégique tant qu'on passe l'autre grand pays fait li pour aider entreprises yo et pas faire faillite pour aider entreprises yo répondre avec comme des gars dit ça et dans domaine nan oui le gen variation prix le marché a pas stable etc. Est-ce que en Haïti
Est-ce que on a nous là comme une entreprise côté que mon a contribué à mettre l'argent, retraité ou à mettre l'argent? Est-ce que font ça l'État t'a qu'à utiliser pour aider petites et moyennes entreprises pour faire face avec tout inconvénient ça que vous t'a rencontré dans l'entreprise? Ou bien tout en dedans budget, national là, l'État a supposé mettre un argent disponible et pour aider entreprise. Qui est là-dedans qui t'est plus favorable? Et dans l'analyse que je fais depuis 2010, ça fait nous pas courir sous 13 ans, nous en 2023 et dans conclusion que je viens faire qu'on a arrêté quoi ça que pays d'Haïti pas une crise politique, une crise leadership. L'État qui n'a pas un leader en fond, qui a réfléchi, qui a analysé, qui a venu avec des plans, des solutions, qui a innové pour le pays, hein, ou toujours entrer dans sa réelle ou gérer crise au lieu d'implémenter des solutions. C'est ça que nous faisons assez souvent. Nous gérons crise, nous ne pouvons jamais implémenter des solutions. Par exemple, il y a un problème de la Tibonie, pas de manger, oui. On voyage ton bateau dirige, si ma dirige ba moun yo. Et l'école pral entre, oui, mes amis, pas de livre, pas de cahier, pas de valise, oui. On nous baye cahier, on baye livre, n'a prétend l'ONI, n'a prétend l'UNICEF, baye. Ok? Tandis que chaque année, chaque saison, chaque époque, nous comme ça que pral vini, ça que doit faire, nous pas faire comme l'État. Mais chaque année, on crise, ok, dans un fait domaine entre l'école. Chaque année, depuis mon petit, depuis mon élevé, j'ai écrit ça. Ça veut dire qui ça? Ou pas un leader dans l'État qui a réfléchi, ou pas un leader dans le gouvernement qui a réfléchi, qui a dit bon, projectionnant année ça, hein, nous pourrions gagner 4 millions d'étudiants par l'entrée, n'a préparé pour ceci, n'a préparé pour cela, n'a fait ça, n'a mon budget de temps pour cette bagaille. Il vient d'entrer dans le même quatre domaines économiques, pour business, pour entreprise et tout ça. Côté que dans le plan numéro 5, moi, dans le plan stratégique pour que le gouvernement crée job, ça m'a dit que le financement qui doit mandater dans le budget national là pour soutenir l'innovation, développement main-d'œuvre, création d'entreprise et former une main-d'œuvre qui est prêt à relever depuis exigence croissance économique là. Qui veut dire que l'État lui-même il doit toujours à l'avant-garde côté économie. On peut aller. Les difficultés venues qui ont l'État pour le faire, pour le faire un coup de volant, pour le redresser l'économie, c'est ça qu'ils ont fait dans tout le pays pendant la COVID. Ils doivent parler de redresser l'économie parce que l'économie a fait un coup sur eux. COVID, son coup l'été. Qui donc vient avec tout un série de solutions, ils ont des dons à un série de business, ils ont fait des prêts à intérêt très bas à ce business, ils ont aidé un série de familles au point de vue de manger d'autres, ils ont aidé l'école. Si vous êtes dans l'école, vous permettez qu'on ait un laptop, vous faites des voies, vous permettez qu'on ait la société de manger et à porter manger dans une zone timounio, pour parce que Timounio, c'est l'école qu'on mange des fois. Il y a toujours une solution qui est implémentée rapide, ok, pour faire couper la crise. Mais nous-mêmes, malheureusement, nous avons une crise de leadership pas nous, les leaders ne sont pas jamais fait projection, ça pas en finaliser ça, ça vous fait, c'est juste que tu as une crise. Et puis, aujourd'hui, après tant de communauté internationale. Mais, voilà. Bon, l'autre aspect qui est important, l'argent contribue à bio et vous mettez là pour retraite, pour le retraite. Mais, pendant que vous avez une entreprise qui a fait faillite, l'État a utilisé l'argent ça pour aider à redresser l'économie, etc. Vous n'avez pas fait. Mais, l'argent ça, il y a une série de nègres qui déjà ont une entreprise dans le pays, a prêté pour 60, et comment pour 30 ans, prêté pour 10 ans, prêté pour 20 ans. Living, au lieu que l'État prenne l'argent pour aider l'entreprise qui réellement a besoin, il prend l'argent, ça, il a fait corruption avec, il a facilité corruption. Je vous dis, qui ça qui t'a doué balisant, qui ça qui t'a doué balisant pour empêcher que corruption, li rentre dans le système non, et al profiter avec une catégorie moun, alors que l'argent a supposé disponible pour aider véritablement moun qui n'en besoin ou moun qui n'en nécessité. Yo. Bon, ou dit mot clé, c'est corruption. Ok? Parce que si nous prenons exemple, on a qui lui-même doit la pour assurer et vie en série de monde en cas de balancer vie économiquement là où il y a besoin, mais comme la font l'autre chemin, côté système la justice, nous, côté
et point ça dans le gouvernement côté que les gens fait ça passer à l'argent l'État qui s'adorille. Ça sont l'autre domaine. Nous entrons dans un système de justice non, qui ne vraiment pas exister. Parce que ou gen l'ONA qui gen moyen qui crée un environnement qui crée moyen économique pour soutenir un certain monde mais l'argent font l'autre route très bien que moun connait dans la justice pour connait qui ça doit faire avec moun ça yo qui ça doit faire avec dirigeant dans l'ONA yo dans la justice dans sous pas panel bam tout douli dans la justice relé sa persécution politique en Haïti moun n'a volé des publics suivi c'est persécution politique et c'est vlo pa vle wel c'est diffamation c'est raillement etc. Monsieur Monel, je dis la dernière question pour nous finir, je dis c'est journée internationale des droits de la femme et d'après vous même expérience ou parcours dans ça qui est pour avec secteur développement d'entreprise secteur économique là qui rôle mesdames yo t'a supposé jouer femme haïtienne dans moment là qui rôle yo qui niveau implication yo t'a supposé gagner dans vie économique là et pour arriver rétablir balance économique là pour permettre que Haïti aller sous voie et progresser sous voie stabilité économique là. Bon, m'a salué toute femme yo, m'a dit que femme haïtienne c'est femme total capital que yo. M'a dit encore c'est femme total capital que yo. Moi levé nos foyer côté que papa m'a travaillé ou maman m'a travaillé, c'est lui qui gère car là, il gère nous tout et tout bagage toujours très balancé, moi ton gros manager. OK? M'a gardé grand moi que me va avec qui est avec nous, grand moi dit qu'on a le vendre dans marché. Grand moi connaît combien pour le porter dans marché, il va le vendre combien cobli va le faire et qui gère les gérer cobli. Me lever non zone me lever dans rue docteur Borico dans la zone moi marchand cap vann marchand nan commencé avec yon bac fritay après quelques mois li gon ti kay on ti restaurant. OK, femme haïtienne c'est femme total capital que oyé moi rete kwè que femme yo gen un don spécial la kayo que nous même garçon pa gen. Et nous devons faire espace pour les familles épanouies pour vivre tout. Parce que chaque monde fait avec don payo. Et les femmes haïtiennes nous ont un don spécial, nous conseillons les business. Parce que les gardes des machines, on des machines avec des bacs cigarettes, des bacs fritas, des bacs mango, des restaurants, brasser la fête. Les vous répétitez l'école, les gérer Kali, si vous allez à l'université, si vous êtes en misère, ça. C'est plus que bravo pour bail pour ti machin ça. Non, c'est même toujours à faire, dans formation toujours à faire pour jeune entrepreneur. Toujours dire. Si vous avez besoin d'un bel exemple, puis vous suivez, nous avons fait business, suivez ti machin yo. Qui j'en connais, à qui l'est pour yon lever, à qui l'est pour yon prendre l'aria, qui côté pour yon mettre business yo. Et qui l'est, qui monde, qui gens qui passent. Vous avez tout système, vous développez un système qui est presque parallèle avec le système normal là dans le pays. Vous avez tout gérer les business et puis vous grandissez. Je dis à ma salle de toute forme qui est un pays à jam, qui fait pays à la crasse, parce que le pays à la crasse déjà. C'est femme qui est belle. C'est femme qui prend soin de Kai, c'est femme qui prend soin de Simone, c'est femme qui a enseigné. Parce que moi-même, moi levé et dans l'église, moi. Quand je me lève dans l'église, pasteur chéri dans l'argent, c'est femme qui dit fait école dimanche pour moi, elle petit garçon, elle m'a petit monde. Et c'est femme qui a passé l'école, elle m'a l'école et 4 plus 3, elle l'école au l'examen, elle l'école anatoma, elle m'a fait l'école primaire, tout ça, et secondaire, elle m'a fait 4 plus 3. Majorité, c'était femme. Donc, qui montrait ça que ça me donne. Non, c'est pas une femme, pas la vie, c'est pas une femme, pas un monde, c'est pas une femme, pas l'avenir. C'est pas une femme, pas un pays. Et pour me dire un bagage, pour me dire un peu ça, pour terminer, et je toujours fait une blague, ça, je dis, monsieur, nous-mêmes, c'est un compliqué, coco et nous, ok? Nous, juste camper tout droit, ok? Nous, on va camper sur un. Je dis, mesdames, nous-mêmes, soit Abdel Noël, ouais, j'ai une belle, ok? Qui dit, nous besoin Abdel Noël, nous besoin mesdames dans la société, non seulement pour beauté, mais tout pour courage, détermination, et ça que vous portez dans l'avancement pays. Et ça fait que les programmes que moi fais des fois de formation, je fais directement pour femmes, je fais directement avec mesdames, parce que vous méritez ça, vous avez besoin de ça, parce que courage, vraiment démontrer que
l'on investit dans femme ou investit dans pays, dans nation. L'on investit dans garçon ou investit dans seul monde. Mais l'on investit dans femme ou investit dans toute une nation. Message a passé et monsieur que mesdames yo pral apprécier ça, mesdames yo apwè plus envie, plus détermination, plus volonté tout yo doit gagner pour yo continuer sous voie positive là, pour yo continuer quoi dans l'éducation, pour yo continuer quoi dans bien-être collectif, c'est pas seulement une question et de tête bien faite, de tête bien pleine, c'est une question de forme totale, c'est une question de forme qui pas peur goumen pour ça le goumen pour rêve, goumen pour atteindre objectif et puis qui doit quoi dans l'éducation, c'est pas une question de beauté, belles cheveux, belle laisse, mais c'est une question de femmes qui ka bataille, de femmes qui ka parler, de femmes qui ka et gè prend place dans société, qui ka goumen, qui pa peur affronter sa lia pour l'autre pays, pour l'autre société. Et pourquoi pas pour li accompagner garçon yo tout parce que c'est égalité de sexe, c'est égalité femme avec garçon. Donc bataille femme nan la continuer. Et merci Caleb Monel pour disponibilité ou pour ti parler ça nous fait jodi là côté que ou t'a aidé auditoire là comprendre nan pi bien stratégie. Yon gouvernement ka utilisé pour créer travail, pour créer non seulement travail mais tout pour garantir doit chaque haïtien gagner pour joindre yon travail. Merci on l'autre fois encore et m'espère bien l'autre occasion côté que n'a pas continuer et débattre sur des points qui extrêmement importants. Mabjou, merci pour le moment, merci à l'opinion, tous les auditeurs, merci à toute l'équipe là et Mabjou continue de travailler ça, on a parlé bientôt. Et merci. N'ont pas oublié dit que ça nous était quoi que Haïti a ressuscité. Merci un peu. Merci. C'était avec nous et Caleb Monel, spécialiste en développement d'entreprise avec lui. Nous t'a parlé sur stratégie, sur ça l'État qu'a utilisé comme stratégie pour y créer travail, pour empêcher fuite de cerveau, fuite de capitaux, mais pour y équilibre balançant, côté que secteur privé a bien limite li, côté que l'État a pas suivi ça le gagne comme obligation. Et pour permettre que chaque grand haïtien ta vive et chaque grand haïtien ka rêve, chaque grand haïtien ka jwenn un travail en dedans pays, mais nous ouais ces bagay yo fait autrement, ces bagay a fait différemment. L'État nan corruption avec secteur privé c'est lui-même qui prend le dessus sur ensemble d'initiatives que l'État ta doit mettre campé son bagay spaghetti net ka régler en dedans pays, mais comme objectif là, l'idée c'est pour toujours chercher des experts, des spécialistes, moun ki nan domaine pa yo, gen mot pa yo pour yo di ki ka aide nous même ki et qui besoin apprendre plus, aide nous même qui besoin comprendre plus bagay, yo toujours là, yo disponible, disposé pour parler avec auditoire là, pour parler avec haïtien compatriote friend chez nous yo, et nous même nous là pour nan chercher yo, mener yo pour. Jodi a, c'est un véritable plaisir pour m'te apprendre sur ça qui gen pour avec création d'entreprise et point stratégique l'état ta supposé investir là-dedans, ça l'état ta doit faire pas fait et nous même jeune jodi a puisque nous apprend, nous connaît qui ça l'état gagne comme obligation, qui ça l'état gagne comme tâche li pas fait, comme travail li pas fait, et bien c'est temps par nous, c'est moment par nous pour nous assumer responsabilité nous comme citoyens, pour nous forcer autorité, pour nous forcer l'état à assumer responsabilité pour li ba nous résultat. Et à titre de rappel mes amis monsieur Mio, on l'autre fois m'a dit nous, je tiens c'est pas fait femme, c'est pas fait femme lié. Nous n'a dit nous n'a une box moi n'a dit bonne fête. Dit nous je dis c'est pas fête femme mais plutôt jodi a c'est journée internationale des droits de la femme. Combat mesdames yo fait, lutte mesdames yo fait, paquet de femmes vont y à travers histoire monde là t'es fait pour permettre à ce que journée jodi en femme yo gen droit pour parler, femme yo gen droit pour voter, femme yo gen droit pour aller à l'école, femme yo gen droit pour marier, femme yo gen droit pour vin n'importe ça dans société dans n'importe pays que lié malgré grand pile femme qui mène bataille dans différents pays dans monde là jusqu'à présent que pays dans Moyen-Orient, que pays dans Proche-Orient côté que mesdames yo pa gen droit conduire, mesdames yo pa gen droit à l'école, mesdames yo pa gen droit pour voter etc. Mesdames yo pa gen droit pour camper, pour parler dans mitan moun. Donc combat femme a mené son combat qui a continué son combat qui son bataille qui pa camper. Donc chaque fois 8 mars journée 8 mars son garçon venir dit bonne fête, me senti nèg là son façon pour le protéger. Gen moun nan nan tête li, c'est parce que li vle gentil, li vle cute avec fia, on comprend? Li di fia bonne fête. Gen moun tout ki dil, c'est parce que li pa konnen ki sa rythme san représenté et directement. Mais on vle que nous prenons, nous tirer leçon de rythme san.
8 mois c'est pas fait femme moun femme nan gon l'elle fait 14 février utiliser pour bay madame ou ménage chocolat mais 8 mois sans on nous prend pour salir 8 mois sans de rappeler que mesdames yo bataille gon combat féministe yo mené gon combat mesdames yo mené pour droit respecter pour égalité en respecter pour garçon kawé nou gen place dans politique là pour garçon kawé nou gen place dans société pour garçon kawé nou gen place dans n'importe secteur d'activité lié regardez en Haïti les a parlé de femmes son petit quota des fois au 8% 15% femmes etc. tout bagay c'est garçon 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 et ça fait ouais en pile fois l'homme et femme fait politique l'homme et femme rentrer et n'en fait politique femme rentrer dans différents secteurs d'activité en Haïti côté que ces garçons comme ça ouais toujours à essayer banaliser yo toujours à essayer fiant yo à féminiser comprendre y a mettre fiant dans catégorie à part non nous pas obligé ouais fiant de manière vulnérable comme si on monde qui fragile etc. Sa garçon ka kapè le di fier ka dil jounen jodi an gade pou wè gwo paquet nèg kap kaze peyi sa ta dou ta gen fòm tout ki patisipe nan kaze peyi an donc ou konprann jounen jodi an ap pral pou sali an 8 mars c'est jounen international respect droit fòm bataille fòm te fèt n'ap pral pou sali an pou nou suspann di mesdames yo bonne fête nan jounen 8 mars et oui m'pral fini émission mais avant ou même qui fait brancher ou même qui pas prêter attention et avec et parti ça dans l'émission, l'important moi pour me supporter dit l'important moi pour me voyer et dit l'hôpital parce que dans moment côté m'était al porter et bay et marchandise pour Erode te ka commencer business ça m'était rencontré avec Edi encore parce que c'est dans même espace Edi a vivre c'est dans même espace plusieurs l'autre a vivre encore qui dans une situation qui pas trop différent de ça Erode a vivre là et bien Edi lui-même croisé avec lui t'a pas dit oh petit moi me compter sur oui petit point après bon je sais où m'gain qui pour river aider pour m'aller l'hôpital là il besoin un spécialiste pour yeux li gen glaucome li gen cataracte li pa wè li gen douleur si ta non chaise ou l'autre même genre avec Erode li gen plaie li gen bagay nan kò li donc le peu que nous ka faire pour nous aider pour li aller en médecin pour aller en spécialiste pour yeux a li a vraiment important yo toujours dou yeux c'est miroir nan nan ou besoin yeux pour faire toute sorte pour faire besoin yeux pour régler ta activité et déjà moun nan une situation qui difficile li non chaise chita li pa ka utile tête li grand chose mais kounya pou ta perdu yeux li donc ça t'a vinn plus compliqué plus difficile pour li. Donc moment là, il me vraiment penser avec Eddie ou même qui voulait supporter ou même qui voulait aider pour t'aller au spécialiste pour t'aller l'hôpital pour là connait exactement qui ça gagne dans yeux et qui ça médecin qu'a fait pour yeux si c'est lunettes ça balé si c'est opération à faire etc. En nous aider en nous supporter pour le cas arriver faire ça. Numéro c'est toujours 38 96 38 19 relais écrit Yannick pour nous parler pour nous connaître comment n'a pas supporter Eddie dans impasse la traversée. C'est un véritable plaisir pour me avec vous pour me porter émission pour vous. N'a croisé dans yon l'autre vidéo pas raté émission de meilleur pour rien m'a rappelé ou sous taxe 509 tout haïtien connecté sous pourquoi abonner m'a invité ou abonner activer petite cloche notification et qu'on soit pas raté aucune vidéo n'a pas gagné pour une poster rendez-vous en casse demain dans même l'heure sur même chaîne pour yon l'autre émission merci tout le monde à très bientôt. Mes amis attendez ça ou c'est haïtien ou remé pays et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même voix.